Bonjour, bienvenue à Aubernais. Ici, nous sommes en plein cœur du vignoble alsacien. Et c'est aussi ici que se trouve l'entreprise Stoeffler. Je m'appelle Anne-Laure Variot et je suis responsable du marketing Stoeffler. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des hommes et des femmes qui font la choucroute garnie Stoeffler. Vous allez voir, ce sont des personnes fières de leur terroir. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de vous faire découvrir leur savoir-faire. Allez, on y va ? Action ! Ça fait depuis 2019 qu'il y a une collaboration avec Stoeffler et notamment ce premier projet qui a tourné autour de la choucroute. On produit les choux pour la choucrouterie Angstein qui finiront chez Stoeffler à Aubernais, quoi. En circuit super court, on est à 4 km de la choucrouterie et 4 km de chez Stoeffler, quoi. Cette choucrouterie a été créée par mon grand-père, on représente donc la 4e génération. On va étrogner, éplucher, trancher en fine lanière le chou, le stocker en fermentation, et le conditionner, et le cuisiner, et l'expédier. Dans la recette Stoeffler, il y a uniquement du chou d'Alsace, et c'est uniquement du chou IGP. Hop, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux voir les choux ? Ça, c'est du bon chou. Donc la choucroute Stoeffler, c'est un produit complet de 350 grammes avec des saucisses, du chou et des pommes de terre. Donc c'est un plat qui reste gourmand comme dans notre tradition et qui arrive quand même à avoir un Nutri-Score B grâce à ce travail si particulier sur nos recettes et sur la baisse de sel. Bien entendu, on a travaillé les épices comme le laurier et le clou de girofle pour retrouver un petit peu cette note aromatique réconfortante, de l'oignon frais, de l'ail et le tout un petit peu englobé avec de la bière d'Alsace pour avoir ce côté un petit peu plus amertume qui balancera bien avec le côté acidité du chou. Donc nos saucisses sont fumées au bois de hêtre comme depuis des générations. Simplement le process a légèrement changé, mais nos traditions restent les mêmes. Au conditionnement, on se doit de livrer en quantité, en qualité, tous nos clients. Alors il y a aujourd'hui 10 lignes de conditionnement, dont 5 lignes de conditionnement qui font essentiellement de la choucroute. On conditionne des choucroutes avec des barquettes micro-ondables pour faciliter le consommateur. Je suis fier de produire des choux et qui participent à cette tradition culinaire alsacienne de la choucroute, quoi. La choucroute, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que ma grand-mère faisait, que ma mère faisait. Mais il y a une équipe où je pense qu'on est à plus de 20 ans d'ancienneté, donc forcément il y a un lien qui s'est créé, il y a une amitié qui s'est créée, il y a un partenariat avec les gens qui se créent, il y a une bonne ambiance. C'est vrai que c'est important.